Écran.fr, le podcast Erwan Cario, bonjour. Au programme aujourd'hui, on va parler d'Apple et sa conférence la semaine dernière. On va parler d'Orange, de Deezer. On va parler d'Arcade Fire, le groupe de rock qui fait un partenariat avec Google et en HTML5 avec des fenêtres qui s'ouvrent partout. C'est génial. Le chronophage, gros valet de Ice Maze, un grand classique, créateur qui fait des grands classiques des chronophages. La minute même avec Sad Kenu et ses dérivés de Leonardo DiCaprio et Michael Cera, c'est ça ? Tout à fait. SOS Adopi, oui, encore Adopi, vous allez en bouffer pendant septembre, octobre, évidemment, c'est de l'actualité, c'est la rentrée et on va en parler beaucoup d'Adopi. Et pour finir, les vampires à Hollywood, les vampires qui amènent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à Hollywood, pas forcément avec des films très recommandables d'ailleurs. On finira évidemment avec le trailer l'heure de la semaine, mais je commence en accueillant l'équipe d'écran.fr, Alexandre Hervault, bonjour Alex. Bonsoir Erwan. Et Andrea Fradin, bonjour, bonsoir, bonjour. Bonjour salut. Andrea. Oui, salut. Ça va le faire. On commence avec l'internet bullshit de la semaine. Cette semaine, c'est pas l'actualité sociale, mais presque. C'est Laurence Parisot qui était l'invité d'RTL, l'invité de Jean-Michel Apathy, le 1er septembre 2010. On écoute ce que ça donne. Vous voyez, dans les débats, là aussi, je reviens à notre université d'été, dans les débats que nous allons avoir, nous allons certainement beaucoup parler d'Internet. Comme l'a dit le philosophe Alain Finkielkraut, Internet est en train de devenir la poubelle de l'histoire. Vous pouvez écrire n'importe quoi sur Internet, ça reste. Peut-être parce qu'il y va pas beaucoup. Ça, je ne crois pas. Je pense que c'est quelqu'un qui réfléchit et qui mesure ce qu'il dit. Et si donc il a dit ça, c'est peut-être parce qu'il a observé beaucoup de choses. Donc c'était, l'Internet, la grande poubelle de l'histoire. Oui. On doit ça au grand philosophe Alain Finkielkraut. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à me marrer à ce moment-là. Jean-Michel Apathy qui l'a corrigé pour une fois. Oui, timidement. Parce que c'est timidement qui a dit que... Peut-être qu'il n'y va pas souvent. Hein. Peut-être qu'Alain Finkielkraut n'y va pas souvent. On est assez d'accord pour le coup, ça n'arrive pas souvent avec Jean-Michel Apathy. Mais voilà, c'est un grand, grand, grand classique. Vu qu'il peut tout se dire, la liberté d'expression sur Internet, c'est tout. Ils confondent la liberté d'expression et aller savoir avec une grande poubelle de l'histoire. Avec des variantes des fois. Des fois, il y a aussi tout à l'égout. Voilà, il y a tout à l'égout. On avait du Denis Oliven, le tout à l'égout et ce genre de choses. Et puis là, c'était le tout à l'égout de la démocratie, si je m'en souviens bien. Là, c'est la poubelle de l'histoire. Donc voilà. Il y a des variantes. Il y avait aussi, alors je vais citer mon confrère Xavier Delaporte dans son excellente émission La Place de la Toile sur France Culture, qui avait repris un passage où Alain Minc, notre cher ami Alain Minc, parlait à France Inter et il disait il faut qu'on dise que cet espace qu'on prétend être un espace de liberté est un espace d'anarchie. Et quand on est dans l'anarchie, c'est la violence à l'état brut. Ouais. Voilà. Et après, bon, il précise quand même que il nous rassure, il veut pas réglementer et censurer, mais on sent bien quand même que c'est ça le démange un peu. Voilà, quand même, ça le démange un peu. Et c'est bizarre cette tendance qu'ont les gens qui ont déjà la parole publique, déjà qui parlent à la télévision, dans les radios, dans les journaux, à qualifier la liberté d'expression de tout à chacun de poubelle, de danger, d'anarchie, de ce genre de choses. Dernière chose sur l'internet bullshit, hein, il dure un petit peu longtemps. Juste pour préciser la sortie du livre de Jacques Le Boeck, qui est le dictionnaire du journalisme et des médias. Donc pourquoi en parler ? Pourquoi en parler dans cette émission ? Tout simplement parce que page 387 dans ce dictionnaire du journalisme et des médias, nous trouvons MEPORG, acronyme inventé par un journaliste, Nathanaël de Rickensen, de Télématin France 2 le 29 mars 2010, qui suscita la moquerie, mais provoqua aussi un buzz tel qu'il fut adopté en quelques heures par les internautes. Ce journaliste fut immédiatement sacré MEPORG premier, à partir du sigle MMORPG. C'est pas un dictionnaire sérieux, hein, évidemment. Enfin, si, c'est un dictionnaire très sérieux, mais qui se permet des pics. Il y a aussi une entrée à fausse interview de Fidel Castro, ce genre de choses. C'est très drôle. C'est très, très drôle. On commence l'émission avec Apple. Cet extrait ne date pas de 2010, c'était il y a exactement un an, mais je pense qu'on pourrait très bien le refrain en boucle. C'est un refrain en boucle, on écoute ça. Really easy. Better and better and better, smarter and smarter and smarter, and better and better and better. Really nice. Really great. Easier. Great, great, great. Awesome. Really nice. Really wonderful. Really fast. It's wonderful. Really cool. Really nice. Very nice. Amazingly awesome. Great. Really outstanding.
Awesome, amazing, great, nice, extraordinaire. Donc c'est ouais. un petit montage qui se moque de la capacité de Steve Jobs à sortir des amazing, des génial, extraordinaire, superbe. Vous allez adorer. Il a une faculté d'autocongratulation un peu hors du commun, ce brave Steve. Voilà. Et évidemment, la vidéo qu'on vous a montrée donc date de septembre 2009, mais elle dure beaucoup plus longtemps que ça parce que alors il y a vraiment à faire avec ça. Donc qu'est-ce qu'il nous a annoncé ? Alors c'est cette fois-ci, c'était pas forcément passionnant, mais C'était une keynote assez attendue, voilà, une conférence de Steve Jobs. On savait déjà que ça allait tourner autour de la musique, ne serait-ce que par rapport au visuel de la représentation, de la manifestation. C'était une guitare avec la pomme d'Apple, et on s'attendait curieusement, bon, évidemment, à une espèce de renouvellement de leur gamme de baladeurs, etc., iPod et compagnie. Mais on s'attendait surtout à une grosse annonce par rapport à leur au site internet, et plus particulièrement au marché du stream. La musique en ligne qu'on écoute comme ça dans le cloud, dans le nuage, comme Deezer, comme Spotify, etc. Sachant que Apple avait acheté il y a quelques mois de cela un site qui s'appelait Lala.com. Oui, donc ils n'ont rien fait pour l'instant, ils l'ont même fermé. Lala, c'était pas accessible en France, mais c'était un Deezer-like. Voilà, on pouvait écouter de la musique dessus, des extraits parfois. Ils n'en ont rien fait, donc on s'attendait à ce qu'ils sortent un site, pas du tout. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont dévoilé ? Le fameux Ping. Vous avez sans doute déjà entendu ce mot au cours des derniers jours. Pas forcément bien d'ailleurs, parce que les critiques sont assez nombreuses, parfois virulentes et assez méritées. Ping, c'est quoi ? C'est en fait un espèce de mélange entre Last.fm, Facebook, Twitter. Du réseau social musical. Du réseau social musical, qui est accessible uniquement en ayant la dernière version d'iTunes, le logiciel de lecture et le magasin en ligne d'Apple. Donc iTunes 10, qui a d'ailleurs fait un petit lifting, changé de logo. Et qu'est-ce que c'est en fait Ping ? Ça vous permet de suivre et d'être suivi par aussi bien des internautes lambda, des amis, que par des artistes. Alors là, je me suis permis de recopier, faire du copier-coller de la page de présentation sur le site d'Apple. Suivez vos artistes favoris et faites partie de leur cercle rapproché. Ouh. J'ai envie de dire lol. ajoutez même vos commentaires pour participer à la conversation. Là, j'ai envie de dire double lol. Parce que la conversation, c'est quoi ? C'est quand des artistes de haute volée comme Katy Perry ou Lady Gaga disent qu'elles ont fini leur shopping et qu'elles prennent l'avion ou un truc comme ça. Enfin, des fois, elles disent aussi, elles partent de leur nouveau disque, mais bon. Et les commentaires, ça consiste à quoi ? Bah, c'est juste des « cool »,« I love you », etc. Enfin, en tout cas, sur les premiers utilisateurs, on pouvait voir ça. Et même certains sites techniques, enfin techno, comme Mashable ou TechCrunch, ont déjà remarqué que le spam avait envahi Ping. C'est dingue quand même, en moins d'une semaine. En moins d'une semaine, en allant voir sur les statuts d'artistes reconnus de pop musique super mainstream, on pouvait déjà voir « Ah, oh, vous êtes intéressé par un iPhone ? Allez sur papapapapapa, HTTP, etc. » Ça va sans doute être corrigé, ils vont sans doute interdire de pouvoir mettre des liens hypertextes dans les commentaires, mais en tout cas, ça pourrit pas mal l'expérience. Et au final, qu'est-ce que ça vaut Ping ? Donc on a testé la chose, bon évidemment, il y a le côté un peu « c'est le début », donc pour l'instant, c'est pas encore super au point, il y a quelques bugs, et puis surtout, il n'y a pas grand monde, aussi bien au niveau des artistes que des potes, enfin que des personnes qui utilise ça. C'est un réseau social où t'as pas d'amis, quoi. Bah oui, mais ça c'est le propre de chaque réseau social. En fait, ça a quand même plutôt pas si mal marché que ça, parce qu'il y a eu 1 million d'utilisateurs en 48 heures. Mais est-ce que ça va rester ? Est-ce que ça va continuer à grimper ? On peut en douter. D'une part, parce qu'en fait, le réseau qui peut éventuellement satisfaire et être supporté par les utilisateurs réguliers d'iTunes, les gens qui vont acheter de la musique sur iTunes, etc. Sauf que pour les autres qui sont habitués, on va dire, à écouter leur musique ailleurs et pas forcément acheter de la musique, sans pour autant être pirate, hein, mais à consommer de la musique, notamment en streaming, etc., gratuitement, ça va pas du tout, il y a aucun truc qui peut t'inciter vraiment à aller sur iTunes et à devenir, voilà, un pinger, je sais pas si ça dit, mais j'ai envie de le dire. Sachant que si on a déjà un compte Facebook, un Twitter, éventuellement on est sur Last.fm, éventuellement on est sur Spotify qui a la fonction sociale avec les amis de Facebook, sociale, etc., on voit pas vraiment l'intérêt d'aller en plus, déjà que moi je fais partie de cette partie de l'humanité qui espère un jour se libérer d'iTunes, parce que c'est quand même un peu une plaie, cette chose. En plus, aller sur un réseau social là-dessus, ça me traverse vraiment pas l'idée. J'ai envie de citer ce grand philosophe qui est Henri Michel du Sud, qui disait sur Bien, en parlant de Ping, que ça lui rappelait un peu les premières sensations qu'il avait quand il y a eu la vague, vous savez, des Vélib, des Vélov, etc. Donc des vélos en libre service dans les grandes villes, etc. Il disait, c'était cool, mais au bout de 5 minutes, on avait réalisé que c'était du vélo et qu'il fallait pédaler, quoi.
et on n'était plus habitué. Et ben Pink, c'est pareil, en moins bien, c'est moyen cool, et au bout de 5 minutes, on réalise que la musique chez Apple est payante, quoi, et on n'est plus habitué. Voilà. Donc c'est une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut et qui lui a attiré pas mal de commentaires de haters, mais c'est quand même assez exact, et pour l'instant, en l'état, on va dire que Pink ne sent pas très bon. Et par ailleurs, on continue sur la musique rapidement, avec Orange qui a annoncé un peu plus en détail son partenariat avec Deezer. Voilà, on savait ça, on savait depuis cet été que Deezer et Orange, ils se faisaient des gros bisous. Ils avaient même fermé le site de streaming d'Orange, le Wurmi, hein, qui n'a jamais vraiment eu de grand succès. Donc Wurmi n'est plus, et bienvenue à Deezer, intégré dans les offres d'Orange, les offres d'abonnement aussi bien Internet ADSL que mobile, etc. Ou les comptes Deezer Premium Plus, vous savez, qui vous permettent d'écouter de la musique aussi bien sur votre portable que sur votre ordinateur, évidemment, mais de stocker aussi en local, hors connexion, etc. Ouais. Donc avec tous les avantages. Au lieu de l'avoir à 9,99€ quand vous êtes un internaute lambda, si vous êtes chez Orange, si vous le prenez avec l'abonnement, etc., vous l'avez à 5€, donc c'est plus intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Surtout, ça veut dire que Deezer n'a pas forcément eu le choix, qui commençait peut-être un peu à crever la dalle, et que la prise de capital d'Orange, qui a pris 11% du capital de Deezer, était peut-être quand même bienvenue, on va dire, pour leurs finances, sachant qu'ils ont, ils doivent dealer avec les labels qui sont toujours plus exigeants, aussi bien dans les sommes pour mettre leur catalogue à disposition. Et c'est clair qu'avoir le plus gros opérateur français, ça c'est un avantage, c'est un petit avantage indéniable, ouais, qui fout quand même un petit coup de pression à Spotify, dont on n'a pas forcément beaucoup de nouvelles pour l'instant. Ils étaient censés faire une conférence à la rentrée, bizarrement leur attaché de presse là est aux abonnés absents. Si elle nous regarde, je lui dis bonjour, et j'espère que ça va bien, hein, Spotify, sachant qu'ils doivent leur gros chantier à eux. Spotify, on rappelle que c'est un système suédois, un service qui est à la base un logiciel qu'on installe comme ça, qui marche comme Deezer sur des offres premium ou gratuites, qui doivent se lancer aux États-Unis, sauf que les labels là-bas aussi traînent les pieds, et ils se murmurent qu'ils pourraient éventuellement avoir, on va dire, des accointances avec Google, qui lui aussi cherche à lancer son service de musique. Reuters l'a annoncé ces deux jours-ci, pour Noël, ils doivent sortir un service de musique Google, donc se clasher peut-être frontalement avec Spotify. On continue un petit peu avec la musique, et cette fois-ci c'est le groupe un peu tendance du moment, Arcade Fire, qui fait quand même plus quelques années quand même qu'il est un peu tendance. Ouais, mais moi j'y connais rien en musique. pour moi c'est, tu vois, c'est maintenant qu'ils font du HTML5, ouais, ils m'intéressent. Voilà. c'est ça tendance, le HTML5 c'est tendance. Ah oui, carrément. Donc voilà, c'est Arcade Fire et leur projet The Wilderness Downtown, et qu'ils ont fait avec Google. On écoute ce que ça donne. C'est un projet où on clique et où il y a des tonnes de fenêtres qui s'ouvrent, des pop-up, des vidéos, des montages, des Google Maps, des Google Street View. C'est sûr que à l'audio là, les auditeurs du podcast, pas ceux qui nous regardent sur nos lives, ouais, mais les auditeurs du podcast n'auront peut-être pas forcément saisi les subtilités du projet. Oui, parce que donc là, c'est la chanson d'Arcade Fire, voilà, qui a été mise en scène dans un clip par les gens de chez Google, Google Labs. Ouais, ils ont chapeauté un peu tout le projet. Donc la chanson en question s'appelle We Used to Wait, qui est sur leur dernier album The Suburbs, et c'est Chris Milk qui a écrit et réalisé ce projet là, qui a été chapeauté avec les équipes de Chrome notamment, qui utilise les technologies du HTML5, sachant en même temps que, comme nous l'avaient dit certains lecteurs dans les forums d'écran, c'était pas non plus totalement et uniquement basé sur du HTML5, c'est utiliser des technologies, ouais, qu'ils avaient mis à l'heure avec leur recherche dans le domaine, mais c'était pas non plus un truc un truc extraterrestre qui ne marchera que dans 20 ans, quoi. Oui, non, c'est clair, c'est clair. Et donc à quoi ça ressemble globalement, les gens qui nous regardent ont vu un peu la tranche du projet. En fait, c'est une déambulation dans un lieu qu'on doit choisir au préalable. Ça doit être, c'est-à-dire qu'en fait, ils créent l'expérience à partir d'un lieu précis. Ça peut être Nantes, ça peut être Paris, ça peut être le nom d'une rue, ça peut être, à partir du moment où il est présent dans Google Street View et dans Google Maps, il fait son montage, on voit un homme courir, et finalement il y a des fenêtres qui s'ouvrent avec des passages Google Street View qui
où sont surimplantées des images d'oiseaux, d'arbres, de ce, chose, ce genre d'images. Et c'est vraiment, vraiment impressionnant. Alors, il faut. Ça marche aussi avec Firefox, avec d'autres choses. Hein, c'est quand même, même si c'est du Google et donc lié à Google Chrome, voilà. Il faut quand même il faut faire gaffe à son ordinateur. Moi, je sais que le mien, il a bien ouais. galéré. Quand même. Ah ouais, c'est fou. Il va falloir aucun autre onglet ouvert, etc. Et puis, c'est quand même assez chouette. Il y a d'autres petites choses qui peuvent être faites, qui mettent à contribution l'internaute pendant qu'on visionne le clip, à savoir, on peut s'écrire une lettre à notre moi-même enfant. Hein, genre, écris-toi une lettre, c'est un peu Marty McFly, retour à le futur. Enfin bon, voilà, c'est rigolo. Ouais. Donc, on vous conseille, c'est The Wilderness Downtown. Vous pouvez faire votre propre expérience, votre propre clip avec vos endroits. C'est vraiment pas mal. C'est une jolie expérience. À noter que voilà, ils sont dans la logique. Nous, on en parle depuis quelques années à Libération du Net Art avec des projets comme ça. C'est pas la première fois qu'on en parle. Voilà, c'est l'heure du chronophage. Et là, c'est quelqu'un qu'on aime bien. Il s'appelle Aizmaz et il a toujours un principe de base. Enfin, on écoute ce que ça donne. C'est Grove Valley, donc ça donne quoi? Ça donne que c'est ultra guilleré, un peu comme la musique d'ailleurs. C'est le principe, c'est il faut faire pousser une ville, dans une vallée, en sélectionnant une série d'éléments qui nous sont proposés dans le bon ordre. Ça, c'est le principe des gros, c'est toujours pareil, on arrive à boucler le jeu, on arrive au final en cliquant dans le bon ordre sur les éléments. Et là, pour arriver à une ville super écolo, super high-tech, il faut trouver l'association adéquate de cette recherche scientifique. Donc on a l'aéronautique, la recherche fondamentale, découvrir les secrets de l'existence, enfin bref. Donc on clique un petit peu au hasard et on voit pousser des bâtiments comme des petits champignons. C'est surtout intuitif, hein, faut pas trop chercher à trouver une logique parce que c'est pas facile, surtout qu'il y a 5040 combinaisons possibles. Voilà, c'est à partir du moment où on peut cliquer dans n'importe quel sens sur les 7 icônes. Ouais. Alors il se passe quelque chose à chaque fois, c'est ça qui est rigolo, c'est oui. que à chaque fois on crée des choses, il y a des choses qui arrivent. Alors c'est vrai que Aizmaz avait commencé avec Grow Cube, ouais. Qui avait fait un carton, c'était pareil, il fallait choisir. Grow Cube. D'accord. Grow Cube, le D'accord. cube qui grandit. Voilà. Vous avez compris autre chose. Oui. Oui, on a bien compris. Vous avez compris. Oh, autre la chose. Bonne blague. il avait continué Grow Nano, Grow Tower. Il avait fait la même chose en Heroic Fantasy où il fallait construire, oui. visiter des châteaux et des choses comme ça. C'est vraiment, vraiment très bien. C'est surtout super bien designé. C'est avec des petits personnages sans tête, ouais. etc. qu'on voit. Et vraiment, c'est une découverte première. C'est une première, je crois, dans un gros de Aizmaz, c'est qu'en fait il y a deux combinaisons possibles. Oui. C'est-à-dire il y a la combinaison hyper win et il y a la combinaison sous terre. Donc on peut arriver voilà. à une ville sous terre, mais alors voilà, en faisant un peu n'importe quoi, mais finalement ça se développe aussi pareil. Voilà, donc si vous n'avez pas tout à fait envie d'essayer les 5040 combinaisons, évidemment on a mis les deux solutions sur les forums d'écran. Oui, je sais, c'est un peu la facilité. N'y allez pas tout de suite, mais quand même, voilà, au bout de 1000, 2000, vous voilà, c'est acceptable. Voilà, ça a commencé avec Kenny Reeves. Déprimé, triste, seul. Ouais. Déprimé sur un banc. Mmh. Oh là là, cette image, c'était dur. Hein. Ouais, terrible. Faut arrêter de se moquer des stars. Et en même temps, c'est tellement drôle, donc continuons. On peut le dire, c'est la minute même, là. Ça y est, on va parler des mèmes, hein, donc des choses qui nous font gaulerie, hein, tout simplement, sur l'Internet. Donc, comme le disait Erwan, ça commence avec Sad Kinu, c'est une photo, une paparazza, hein, comme on dit. Donc, une photo volée de Kinu Reeves en train de bouffer un sandwich hagard sur un banc public de manière totalement, totalement triste, d'où le terme Sad Kinu. Le corps de Kinu Reeves, hein, interprète des Matrix et autres Point Break, a par la suite été totalement repris et recollé via Photoshop sur plein de photos. On voyait Kinu Reeves tout triste au conseil de Yalta dans les années 40, si je ne m'abuse. On le voyait dans des positions mais totalement invraisemblables. Donc c'était assez drôle. Et ce n'est pas le seul acteur hollywoodien à être comme ça, voilà, détourné. Oui, c'est, alors, Sad Kinu, quand même, les détournements
comprendre que Keanu Reeves était quand même de qualité. Ils avaient soigné. Il y a, enfin, en tout cas, les meilleurs, ceux qui ont, ouais, ceux qui ont circulé. Ouais. Après, bah, c'est devenu un peu plus artisanal. Hein, ouais, ouais, ouais. Pour vous dire, j'en avais même fait un sur un article, sur, bah, d'ailleurs, sur une keynote de Steve Jobs. Oui, oui. Voyez, bah, bref. Ouais, ne te vante pas de tes montages non, photos, non. Alexandre, s'il te plaît. Il n'y a pas de quoi être fier. Voilà. Et donc, bah, il y a eu d'autres stars qui ont eu un peu droit au même écho. Notamment récemment Leonardo DiCaprio, grâce à une photo mais totalement invraisemblable qui a été prise sur le plateau, sur le tournage d'Inception, hein, de Christopher Nolan, où on voit Léo, je vais essayer de le faire, mais de toute façon on va voir une image, donc ça sert à rien que je le fasse, mais qui a une espèce de démarche complètement débile. Ça s'appelle le Leo Strut, hein, ou Happy Leo. Strut est un verbe anglais qui veut dire, je cite, se pavaner, se dandiner. Donc vous imaginez un petit peu la démarche du personnage. Il a l'air complètement guiré, complètement, ouais, voilà. Ouais. Et du coup, bah, son image a été reprise, et ce qui est évidemment drôle, c'est de jouer sur le décalage, c'est donc de coller un Leonardo DiCaprio tout content sur une image triste, glauque, trash, au hasard, les petits enfants vietnamiens napalmés pendant la guerre au Vietnam, ce genre de choses. Et plus drôle, et ben il y a Michael Cera, notre Scott Pilgrim, bientôt sur les écrans, qui avait été pris en photo avec Edgar Wright. Voilà, c'est par Edgar Wright, par Edgar Wright, voilà, le réalisateur de Shaun of the Dead et de Scott Pilgrim, donc qui le prend en photo, qui le balance sur son Flickr, et c'est une photo totalement encore magique, hein, où on voit donc Michael Cera en train de faire un petit saut de cabri, hein, entre, ouais, deux plots, près de la mer, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, Prancing Cera, to prince, ça veut dire caracoler, cabrioler. Et là, bah, pareil, même sort, même destin que Sad Kinu ou voilà. Happy Leo. On le voit un peu partout en train de faire son petit saut de cabri. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus des mèmes. C'est formidable. Voilà. On passe aux choses les plus sérieuses qui soient, évidemment, Adopi. C'est la rentrée, on vous avait prévenu à la mission précédente. Adopi, c'est le sujet de la rentrée, parce qu'on attend avec impatience, oui, nos petits mails d'avertissement, hein, vos petits mails d'avertissement, évidemment, qui n'ont toujours pas été envoyés. Et là, il y a une actualité, c'est-à-dire que des petits trublions ont inventé un nouveau concept qui s'appelle SOS Adopi. Voilà, donc trois personnalités d'Internet, dont Jérôme Bourreau-Guggenheim, donc qui a été viré de TF1, alors je ne sais plus exactement, il y a quelques mois, je crois. Un an déjà. Ça passe vite. Donc Jérôme Bourreau-Guggenheim, qui a été viré de TF1 de son poste de directeur de pôle innovation web, après avoir exprimé son avis sur Adopi en privé à sa députée. Voilà. C'était une affaire, je vous conseille d'aller sur écran.fr si vous ne connaissez pas cette affaire. Voilà. Donc, bonne délation gouvernementale. Voilà. Oui, c'est une belle affaire. Donc il fait partie des trois personnes qui ont annoncé le lancement imminent, le 15 septembre prochain, de SOS Adopi. Alors SOS Adopi, c'est quoi? En gros, c'est un service, une plateforme qui se composera à la fois d'un service d'information, donc pour apprendre aux internautes les subtilités des mécanismes d'Adopi sous forme de newsletter, donc là c'est totalement gratuit, tout le monde peut s'y inscrire, et parallèlement un service payant réalisé au cas par cas d'assistance juridique et technique, donc prise en charge par des juristes, des experts. Voilà, donc l'idée en fait c'est d'aider les internautes qui seraient pris dans le collimateur d'Adopi. Voilà. Voilà, et Adopi n'est pas très content. Alors ce qui était assez marrant dans le timing qui s'est déroulé le week-end dernier, c'est que SOS Adopi balance l'info d'une manière presque confidentielle. Enfin, il y a 2-3 sites qui en parlent sur Twitter. C'est pas non plus des personnalités incontournables d'Internet. Voilà. Et bam, le week-end, Adopi leur fait une pub monstrueuse, oui, c'est-à-dire un communiqué de presse. Non, n'écoutez pas les gens d'SOS Adopi, c'est pas vrai, nous ne voulons pas installer de spyware sur votre ordinateur. Voilà. Et donc là, grosse pub, et je pense que leur service. Grosse pub, voilà. Mais en fait, il faut savoir que la haute autorité s'est particulièrement fâchée parce que le but d'SOS Adopi, c'est d'aider les internautes à se dépêtrer d'Adopi, donc des mécanismes d'Adopi, sans installer le fameux logiciel de sécurisation. Qu'il compare en fait à l'installation d'une caméra de surveillance dans son propre salon. Logiciel qui, par ailleurs, n'existe pas. Voilà, il faut bien revenir sur ça, et c'est là où ça devient vraiment très compliqué. Le mécanisme d'Adopi ne vise pas les pirates, mais la négligence caractérisée, donc le fait de ne pas verrouiller l'accès à Internet. C'est-à-dire qu'on vous accuse, on va vous couper Internet ou vous donner une amende, non pas parce que vous avez téléchargé le dernier Britney Spears. Voilà. D'ailleurs, ce serait un tort, mais peut-être pas, je ne sais pas, je ne l'ai pas écouté. Bref, non pas pour ça, mais parce que vous n'avez pas protégé votre ligne Internet et qu'un méchant pirate en a profité pour télécharger le dernier Britney Spears. Le problème, c'est que ça veut tout et rien dire. Je veux dire, ça va de la bonne intention. Oui, mais j'ai voulu protéger ma ligne à l'installation d'un logiciel de sécurisation. Et pour le moment, le problème, c'est que les moyens de sécurisation, cette question-là n'a toujours pas été réglée.
Alors, il faut savoir que Hadopi avait lancé un appel d'offres pour trouver des gens capables de faire un logiciel de sécurisation. Appel d'offres qui avait une date limite de 30 septembre, je crois, au 15 ou enfin mi-septembre. Mi-septembre, ouais. Et ça a été un petit peu prolongé parce que peut-être que justement c'est un point un petit peu litigieux. Oui, légèrement litigieux, ouais. De trouver les critères qui vont définir si oui ou non la ligne sera sécurisée. Okay. Alors par ailleurs, on a aussi appris un peu plus tôt, parce que Hadopi font un peu des communications façon fail en ce moment, enfin façon gaufrage. C'était un peu avant Hadopi qui communique, oui, alors il y a déjà des spams, des faux mails qui en sont partis. Qui font croire que ce sont des mails d'avertissement Hadopi. Surtout, ne les croyez pas. Et on a appris à cette occasion qu'ils allaient ouvrir un centre d'appel prévu pour informer les usagers de la loi et des procédures en cours. Donc on attend plus de renseignements. Est-ce que ce sera un numéro vert ? On n'en sait rien. Donc de toute façon, on en reparlera. Oui, évidemment. Et SOS Hadopi, on en reparlera aussi parce qu'ils font leur présentation lundi prochain à la cantine à Paris. Voilà. Cette fois-ci, on revient avec un sujet... tellement plus important, grave, ouais. Tellement plus grave. Crucial. Oui. Si j'étais le méchant. Je sais ce que tu es. Dis-le à voix haute. Un vampire. On va pas pouvoir. Vas-y. Parle du sujet. Pour ceux qui n'ont pas reconnu, là, c'était un extrait de la bande-annonce de Twilight, ouais. Le 1, si je ne m'abuse. Voilà. Choisi aux petits oignons par Erwan, qui s'est fait très plaisir. Pourquoi vous parlez de Twilight ? On va pas vous parler de Twilight en particulier, mais des vampires en général, parce que c'est devenu une telle vache à lait, il y a une telle avalanche de films avec pour personnages principaux des vampires, que la publication professionnelle Hollywood Reporter, qui est un peu l'équivalent américain du film français ou d'Écran Total chez nous, en a fait carrément sa couve il y a quelques jours. Le vampire business. En parlant du vampire business, oui, et en donnant des chiffres. Alors, des chiffres, comme je l'avais précisé sur écran, hein, c'est parfois sujet à caution parce qu'il y a des estimations, il y a des extrapolations, etc. Notamment quand il parle du business des séries télé, quand il parle de True Blood ou de cette daubasse qui est Vampire Diaries, les séries n'étant pas encore terminées, tous les DVD n'étant pas vendus, etc. Ouais. Ils font que des prévisions à long terme, donc bon, c'est un peu touchy à ce niveau-là. Mais en gros, en parlant quand même des derniers gros films, il démarre à peu près la vague au moment où le premier Twilight est sorti, plus ou moins, donc il y a 2 ans. Et ils estiment que depuis la sortie du premier Twilight, c'est 7 milliards de dollars, soit l'équivalent du produit international brut d'un pays en voie de développement, qui sont tombés dans les caisses d'Hollywood. Voilà, 7 milliards de dollars. Donc ça couvre aussi bien, comme je disais, les séries télé que les films. Et ils comptaient aussi également tout ce qui est à côté, donc le publishing. On sait que les BO de Twilight cartonnent du feu de Dieu. Ouais, bah d'ailleurs. Je me suis promis de plus jamais te faire vivre une chose pareille. Ah oui, non, en fait, plus jamais. plus jamais, on va arrêter là. Tais-toi, Edouard. C'est bon, on en a fini. C'est vrai qu'il n'y a pas donc que les films. Il y a d'ailleurs la parodie toute pourrie de Twilight. Vampires Suck, c'est par les ignobles mecs pas drôles qui avaient commis des films comme Spartatouille, Meet the Spartans, qui avait été retitré Spartatouille en France et après en Orgy Movie pour le DVD, faut pas comprendre. Des gens qui essayent de faire aussi bien que les Scary Movie, qui étaient déjà pas forcément très drôles à la base, mais qui sont encore pires. Je veux dire, c'est aussi drôle, leurs films sont aussi drôles que la liste de Schindler. Quoi. Et en fait, le truc un petit peu déprimant avec cette histoire de vampires qui cartonne à Hollywood, c'est que c'est depuis qu'il y a des films de merde. En fait. Exactement. Alors, il y a eu quelques bons films qui surnagent là-dedans. Enfin, quand je dis bons films, faut pas exagérer non plus, mais des séries B plutôt pas trop mal, comme Daybreakers avec William Defoe, par exemple, ou d'autres, ou la série True Blood qui vaut quand même le coup. C'est vrai que j'ai pas tenu 5 épisodes, mais bon, ça vaut quand même le coup. Ouais. A priori, pareil. Donc oui, voilà, Andrea nous dit que ça vaut le coup. Surtout les derniers, oui. Bon, no spoil. Et donc, pour info d'ailleurs, donc Vampire Suck, qui est une parodie toute pourrave des Twilight, va bientôt sortir en France sous un titre improbable qui est Mords-moi sans hésitation. Voilà. D'accord. Ça donne envie. Ils peuvent pas faire le jeu de mots original de Vampires Suck parce que tout suck en anglais, ça veut dire à la fois sucer comme sucer le sang et craindre, puer, ça pue, ça craint, etc. Ouais. Donc bon là, mettre vampire sus, ça n'aurait rien voulu dire pour le coup, non. C'est pour un boulard. C'est clair. Donc voilà. Alors je signale au passage que l'actualité vampirique, justement, on parlait de Hollywood avec les films hollywoodiens. Voilà, mais celui-là, il va pas être mis dans les 9 milliards ou les 7 milliards. Exactement, les 7 milliards. J'ai 2 autres films à vous conseiller, c'est Vampire, tout court, Vampire avec un S. Au pluriel, donc un faux documentaire belge qui vient de sortir sur vos écrans. Il sort dans pas beaucoup de salles, mais il est quand même visible. Allez le voir, c'est très très drôle. C'est un peu un C'est arrivé près de chez vous version vampire avec la communauté vampirique belge. Et allez voir aussi Suck qui sort en DVD avec Iggy Pop et Alice Cooper. C'est canadien. Voilà. Ouais, allez, juste pour terminer, parce qu'on est un peu obligé. Isabella Swan, je promets de t'aimer à
à chaque instant. Bon, Alexandre, t'as pas un truc, je sais pas quoi. Un truc trash, un truc avec un crocodile géant, du par sang, exemple. Du vrai sang, quoi. Et alors, on va passer tout de suite au trailer de la semaine. Et donc, effectivement, le trailer, c'est celui d'un direct-to-DVD assez recommandable, je pense, ou pas. Il s'appelle Lake Placid 3. C'est donc là déjà deuxième suite. Je savais même pas qu'il y en avait eu une première. Deuxième suite au Lake Placid de Steve Miner, fait en 99 avec Bill Pullman et un énorme crocodile, qui était pas trop mal, pas si mal que ça. La fin était rigolote. Le 2, je ne l'ai pas vu, je ne connaissais même pas son existence avant hier. Et le 3, ben, sort en DVD directement dans quelques mois. Et il y a dedans cette bonne vieille trône de Michael Ironside que vous avez vu. On se demande qu'est-ce qu'il fout là, hein, quand même. Il a des impôts lui aussi. Hein, voilà. Il n'est pas parti en Suisse. En même temps, d'après ce qu'on voit, il meurt dans une voiture. Exactement. Il y a des crocodiles dans les supermarchés, dans les salles de bain, dans ton cul. Il y a des crocodiles partout. On écoute ce que ça donne. They're smarter. Hurry up! They're hungrier. Teddy, no! And this time, even more deadly. Colin Ferguson, Nancy Butler, and Michael Ironside. I'd say that thing's a little bigger than a damn trap! Allez savoir pourquoi, entre ça et Twilight 3... Ouais, ça nous change des vampires neuneux qui scintillent au soleil. Je sais pas. Donc Lake Placid 3, voilà. Qui sortira peut-être un jour en France, ou peut-être pas, mais à mon avis, Gaieté Énergie 12. Oui, ça devrait aller. Bon, bah, c'était la première vraie émission, c'était le premier vrai podcast de l'année. Ouais. C'était un vrai plaisir, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Bye.